Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 10 mars 2024. Il est 17h et j'ouvre la 10e visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème de ce soir est les Arcturiens, premiers constructeurs des pyramides d'Égypte, et à quoi servaient les pyramides? Les informations que je partage avec vous au fil des visioconférences sont de sources purement extraterrestres. Elles ne viennent pas de l'Internet. Elles sont radicalement différentes des informations officielles au point que beaucoup considèrent qu'il s'agit de science-fiction. Mais pourtant, comme je le dis à chaque fois, ce n'est ni de la télépathie, ni de la canalisation, mais bien du live en audio et à l'écrit. Elles m'ont été confiées en l'état, noir sur blanc, notamment avec Zen, mon principal contact, dans une série de travaux depuis le début de l'année 2016. Pour développer la thématique du jour sur les Arcturiens et les pyramides, j'ai choisi plusieurs conversations de différents contacts extraterrestres. Une conversation du 21 octobre 2016 avec Svarupaprijananda, une très jeune pléiadienne de 20 ans. Deux conversations des 30 novembre et 1er décembre 2016 avec Asket, une pléiadienne de 106 ans, commandante d'un vaisseau amiral. Et plusieurs autres conversations avec Zen en 2016 et début 2017. Les Arcturiens d'Easley Antiplex font partie des jardiniers de la lignée des marsupiens, c'est-à-dire que comme les kangourous, ils ont une poche ventrale. Je détaillerai ce point dans ma présentation numéro 28 qui aura lieu le dimanche 14 juillet 2024 lorsque je parlerai d'eux plus en détail. Les Arcturiens d'Easley Antiplex sont originaires de la planète Pitoya dans la constellation du Bouvier. Ils sont impliqués dans les affaires terrestres depuis le début des temps. Amis des Andromédiens depuis des millénaires, leur mission est de promouvoir la croissance des humains terriens en tant que civilisation et en tant que société, promouvoir la maturité spirituelle et l'idée d'autoresponsabilité à la fois en tant qu'individu et en tant que race. Ils travaillent à la suppression de la cabale négative pour laisser les terriens se développer comme ils le devraient, de manière pacifique et positive. Plusieurs de leurs vaisseaux sont stationnés dans les hangars A à G sur la biosphère artificielle andromédienne appelée Viera, qui est stationné derrière la Lune et qui abrite l'un des sièges de la Fédération galactique. Ils sont amicaux et spirituellement sages, très technologiques. Ils ont toujours des vaisseaux spatiaux pleins de nouveautés technologiques très avancées. Ils sont considérés comme des maîtres bâtisseurs. Ce sont eux les premiers qui ont commencé à bâtir les pyramides d'Égypte. Ces pyramides ne sont pas d'origine humaine. Elles n'ont pas été construites par les Égyptiens ni par les populations indigènes de cette époque qui ne possédaient pas les technologies nécessaires pour le faire. L'origine des pyramides est antérieure à la culture égyptienne. Ce sont des constructions à 100% extraterrestres. Pour le comprendre, il suffit de réaliser qu'elles n'ont pas été construites pour être vues du sol, mais depuis l'espace, et peu de gens semblent savoir qu'elle pointe vers Alpha Draconis, une étoile binaire nommée Tubane, dans la constellation du Dragon, mais aussi vers les Pléiades et vers Sirius. Ces structures pyramidales sont très répandues dans de nombreux mondes extraterrestres de la Fédération galactique, et il y en a sur de nombreuses autres planètes, comme par exemple sur Mars. Elles ont été construites par un conglomérat de races extraterrestres alliées de la Fédération galactique dans plusieurs buts.
Elle servait de masse pour stabiliser la rotation de la Terre, un peu comme un garagiste place des masses sur la jante d'une roue pour l'équilibrer. Les pyramides facilitaient aussi la naturalisation et la manipulation des fréquences artificielles lunaires en permettant une plage de manipulation de fréquences en conjonction avec d'autres pyramides de la planète. Ce sont aussi des portails physiques utilisés pour la téléportation d'une base sur Terre à une base de fréquence équivalente sur une autre planète ou sur un vaisseau spatial. Et enfin, des portails d'élargissement de la conscience pour le voyage astral. Les pyramides de Gizeh ont été construites avant le déluge, dont l'eau provenait de la planète Tiamat qui s'était désintégrée et dont le volume d'eau l'avait déstabilisée, alors que la matrice terrestre était en cours d'installation depuis la Lune. Les pyramides ont été construites selon les besoins et les configurations géophysiques et placées sur des lignes telluriques à des endroits spécifiques tout autour de la Terre. Il y en a partout et elles sont reliées entre elles pour créer un réseau planétaire, un peu comme un ancien réseau satellitaire mondial. Il y en a en Chine, en Russie, en Amérique du Nord et du Sud, en Égypte, en Bosnie, en Europe, absolument partout. Elles sont comme de grosses antennes relais qui créent un réseau énergétique mondial extraterrestre. Elles font toutes partie d'un seul et même système, chacune représentant un point de réseau qui produisait de l'électricité et de l'énergie libre. Peu importe où vous vous trouviez, vous disposiez d'une alimentation sans fil avec ce système et toutes les maisons de l'époque, écoutez bien, en Égypte, étaient toutes approvisionnées en électricité gratuite. Elles étaient positionnées sur les lignes telluriques pour augmenter et potentialiser les effets planétaires et la dépolarisation entre la charge de l'atmosphère et la charge électrique du sol. Les Arcturiens d'Yazli Antiplex ont été les premiers constructeurs et les pyramides furent construites au moins 3 fois au fil des millénaires. De nombreuses races qui font partie de la Fédération Galactique y ont participé également. C'est la même Fédération Galactique que celle que vous connaissez de nos jours. Des travailleurs locaux ont également apporté leur aide. Ce n'étaient absolument pas des esclaves, mais des personnes qui s'étaient portées volontaires pour travailler à temps partiel, comme c'est le cas dans de nombreuses sociétés extraterrestres, holistiques ou holographiques, où on passe une partie de son temps à se développer soi-même et à apporter son aide aux autres. Les pyramides sont énormes et il aurait été impossible pour les humains de cette époque de les construire sans une très haute technologie. Il n'y avait pas non plus d'esclaves. Cela ne veut pas dire que les esclaves n'ont jamais été utilisés pendant ces 12 500 ans, mais l'Égypte, en tant que culture, n'en utilisait pas. Elle utilisait des ouvriers. Sur certaines sculptures, les hommes que l'on voit attachés avec des chaînes autour du cou sont des prisonniers de guerre. Le concept d'esclavage a été créé par l'Empire romain pour imposer le concept et mettre en place des agendas qui se déploient encore de nos jours. L'un des objectifs de la construction de Gizeh était de distribuer la fréquence transmise par les réacteurs lunaires qui réduisait celle de la Terre à 7,83 Hz et enfermait les lignées draco-reptiliennes. Elles ont été construites dans le cadre de la mise en place d'un réseau énergétique qui couvrait toute la planète Terre, en utilisant plusieurs types de technologies avancées, comme la lévitation sonore, la lévitation avec des dispositifs antigravité, l'utilisation de grues internes électriques ou hydrauliques. Ces grues tiraient les pierres vers les emplacements définitifs. Dans le cas de la pyramide de Khéops, ce système de grues était installé dans la chambre du roi. La lévitation n'avait pour but que de retirer du poids et elles ont été construites comme des tores avec un mouvement en spirale. Les Arcturiens ont également rassemblé du calcaire de carrière trouvé plus au sud. Ils l'ont découpé avec des outils énergétiques.
des lasers industriels et des scies à sondes comprimées. Puis ils ont fait léviter les pierres en utilisant l'antigravité et le son. La lévitation sonique est un système largement utilisé dans les constructions anciennes, notamment celles au Pérou. Ils ont aussi utilisé du calcaire liquéfié avec des fréquences sonores spécifiques. Lorsque le liquide est déposé et que les fréquences sont annulées, la pierre redevient solide. La pierre a été liquéfiée avec des technologies utilisant le son. Cette pierre liquide est utilisée comme moyen de remplissage et de maintien des structures ou de collage entre les pierres. Ce n'est pas du ciment dont les composants sont fragiles et de qualité inférieure. Lorsque la pierre est amenée à une certaine température grâce à des fréquences soniques et selon la fréquence de la pierre, elle se liquéfie. Cette forme de construction en pierre liquéfiée est encore utilisée par certaines lignées extraterrestres comme support de construction de base pour les bâtiments officiels ou des maisons individuelles. Il n'y avait pas de rampe extérieure à la pyramide comme beaucoup de chercheurs terriens l'affirment, car la construction de la dite rampe aurait dépassé celle de la pyramide elle-même. Ces rampes étaient construites à l'intérieur en forme de spirale. Le sphinx, il n'y en avait pas un seul à l'origine, mais il y en avait deux qui étaient positionnés en parallèle, non loin l'un de l'autre. Passons maintenant à la chambre souterraine. En dessous se trouve une autre chambre plus grande. Au fond de cette chambre se trouve un bassin souterrain aquifère, suffisamment perméable pour que l'eau puisse y circuler librement et qui est connecté au Nil. Cette salle contient plusieurs sarcophages qui ne sont pas des sarcophages mais des conteneurs remplis de moldavites sculptés comme sur les tablettes de Thoth. Les obélisques. Il y avait également deux obélisques. L'un d'eux est l'obélisque de Louxor, érigé depuis 1836 au centre de la place de la Concorde à Paris. Le second obélisque de Louxor est visible sur le site de la ville égyptienne. Les obélisques sont présents partout dans le monde car c'est le symbole de l'atonisme, symbole phallique pointant vers le haut avec une pyramide tout en haut qui représente les trois divinités de la constellation du triangle, Anu, Dieu créateur tout-puissant, Ea, qui est égal à Yahvé, et le troisième, Enlil, Dieu des Elohim. Yahvé n'est pas une personne, c'est une explosion créative appelée le Big Bang sur Terre. L'obélisque est une offrande à ces trois divinités. Là où il y a un obélisque, cela signifie que les Illuminati ont le contrôle de cet endroit et où que c'est, une de leurs principales bases ou villes. C'est aussi une antenne de puissance. Le pyramidon, c'est la petite pyramide au sommet de la pyramide qui est un condensateur d'énergie. La pointe était du quartz blanc pur recouvert de feuilles d'or. Il avait des propriétés de concentration d'énergie et servait d'antenne de transmission sans fil de type Tesla. Le collecteur d'énergie se trouvait dans la chambre de la reine. Le pyramidon, recouvert de calcaire blanc poli, comme vous le voyez sur les images derrière moi, à l'intérieur, cela provoquait un rebond interne de particules provenant de l'atmosphère, entrant à travers le cristal recouvert d'or à la pointe. Les particules descendent de l'atmosphère vers la Terre. Elles rebondissent sur le calcaire blanc qui possède des propriétés piézoélectriques et isolantes qui empêchent les particules électriques, qu'il s'agisse de positrons plus ou d'électrons moins, de retourner à l'atmosphère et se concentrent dans la chambre de la reine où s'effectue une dépolarisation vers le sol et se connectent aux aquifères, créant un différentiel concentré de charge entre le ciel et la terre. La chambre du roi servait de salle de contrôle et servait à d'autres utilisations de la pyramide. Au-dessus de la chambre du roi se trouvait une série de condensateurs de haute technologie qui régulaient la dépolarisation de l'énergie et pour des raisons d'efficacité,
il a été légèrement écarté afin de ne pas interférer avec la concentration d'énergie dans la chambre de la reine. Aujourd'hui encore, dans la chambre souterraine, il y a des traces de câbles et de structures métalliques pour la mise à la terre. L'eau y coulait, créant l'effet de terre potentielle, et c'était la partie opposée à celle du dessus, la pyramide et son calcaire qui comprimaient et concentraient la charge atmosphérique. Cette partie potentialisait la charge de la terre, créant un énorme différentiel de charge entre l'atmosphère et la terre. La foudre, par exemple, est une décharge d'énergie différentielle. Mais si vous disposez d'une charge différentielle, vous pouvez la canaliser, et donc les technologies adéquates, vous pouvez la canaliser de manière ordonnée et continue vers le sol. Vous disposez alors d'un lieu de flux de charge continue, et vous avez votre énergie gratuite. C'est pourquoi les pyramides se trouvent sur des lignes telluriques et des eaux souterraines, car vous leur donnez une meilleure connexion au sol, une plus grande capacité de connexion et un contrôle du flux de charge entre l'atmosphère et le sol. C'est du plus pur Tesla. Tesla le savait. Le type d'énergie produite est une énergie du point zéro par différentiel de charge. Vous n'avez pas besoin de réacteurs nucléaires hydroélectriques ou thermoélectriques pour produire de l'électricité. Avec une pyramide, c'est propre. Elle génère plus d'énergie que 50 centrales nucléaires. Elle nécessite peu d'entretien et ne produit pas de nucléaire ionisant. Elle ne fait que concentrer le différentiel de charge entre le ciel et la Terre. C'est la planète elle-même qui crée l'énergie. Entre le ciel et la Terre, il y a un changement de polarité en fonction des circonstances atmosphériques. Cela n'implique aucun problème car la pyramide inverse uniquement électroniquement les charges avec des dispositifs internes. L'énergie provient d'un rayon continu et contrôlé et avec une tension régulée. La fonction des générateurs d'énergie gratuite n'était pas la fonction première. La fonction principale des pyramides était en réalité une porte des étoiles. Ce n'est pas un portail, mais plutôt un mécanisme qui permet de voyager dans l'espace comme un moteur de vaisseau warp en marche arrière. C'est un lieu qui potentialise l'énergie de voyage astral, psychique, mental et naturel de chaque personne. L'énergie produite par une pyramide est une énergie positronique pure, de fréquence exacte, compatible en tant qu'interférence constructive avec l'aura humaine et l'énergie psychique. Vous y entrez quand cela fonctionne et vous quittez votre corps, vous voyagez là où vous souhaitez aller. Il existe dans certaines pyramides des tunnels qui se concentrent sur les voyages vers Sirius. À l'intérieur de la pyramide, vous quittez votre corps matériel, vous faites une sortie de corps et vous êtes libre dans l'astral et à travers l'univers. L'amplificateur de conscience et le voyage astral est considéré comme l'utilisation principale des pyramides, bien que certaines pyramides soient consacrées à produire de l'énergie et d'autres non. De nos jours, ce système fonctionne encore dans certaines pyramides, mais pas avec la même force ni avec la même efficacité qu'à cette époque. L'un des récits les plus connus de ce type de voyage, Napoléon Bonaparte Ier, lors de sa campagne d'Égypte, est allé visiter la pyramide de Gizeh le 14 juillet 1798. C'est symbolique. Il demanda à être laissé seul dans la chambre du roi pendant une nuit. Le lendemain matin, lorsqu'il ressortit, il semblait visiblement secoué. Un assistant lui demanda s'il avait été témoin de quelque chose de bizarre ou de mystérieux, mais il a répondu qu'il ne voulait faire aucun commentaire et qu'il ne voulait plus jamais que l'incident soit mentionné. Des années plus tard, alors qu'il était sur son lit de mort, un ami proche lui demanda ce qu'il s'était réellement passé. Il était sur le point de lui révéler, mais il secoua la tête et dit « Non, à quoi ça sert? Vous ne me croiriez jamais. » Et il a emporté le secret dans sa tombe, celui que je vous révèle aujourd'hui.
comme beaucoup de terriennes et de terriens qui visitent les pyramides et qui ont ce genre d'expérience, immédiatée et positive. La majorité des gens ne comprennent souvent pas parce que la pyramide n'a aucune fonction qui pourrait être utile à un esprit moderne orienté vers le matériel. Il faut penser comme une ou un extraterrestre pour réaliser que ces choses qui ne sont pas censées exister existent bel et bien. Alors, pourquoi, à part toutes ces fonctions que je viens de citer, cette base a-t-elle été construite à Gizeh? C'était dans cette ville où se trouvait une base souterraine extraterrestre qui appartenait à la Fédération Galactique. Cette base est aussi grande qu'une ville, comme de nombreuses bases souterraines encore actuellement à travers le monde. Elle s'étend sur deux niveaux souterrains. Il s'agit d'une base extraterrestre avec tout ce que vous pouvez imaginer qu'elle peut contenir. Il y a encore plusieurs petits vaisseaux ronds, pleins de poussière. Ils ne fonctionnent plus pour l'instant, mais ils pourraient être réactivés, ainsi que la base, même s'il s'agit de nos jours d'une technologie déjà dépassée. Elle a été abandonnée car elle a subi de nombreux dégâts dus aux déluges et inondations. Il y a deux niveaux et c'était la base de la Fédération Galactique, donc il y avait de nombreuses lignées extraterrestres qui allaient et venaient dans les cieux terrestres avec leurs vaisseaux spatiaux. La base était positive. Plus tard, la culture égyptienne s'est développée autour de ces pyramides extraterrestres. Elles n'en sont pas la source. Les anciens appelaient cette base souterraine le labyrinthe. Directement sous le sphinx, il y a plusieurs chambres qui mènent à une bibliothèque et sous cette bibliothèque, il y a le tombeau d'Osiris. Puis, un peu plus loin, il y a une entrée avec plusieurs tunnels qui mènent aux pyramides et au labyrinthe. Ça a été une base souterraine de la Fédération Galactique pendant des dizaines de milliers d'années. Elle est gigantesque et se compose de deux immenses niveaux, l'un au-dessus de l'autre. Le déclic pour ouvrir cette base se situe sous l'oreille droite du sphinx et l'entrée, au premier hall, en dessous, est en contrebas de Gizeh. La base fut prise de force par le côté obscur qui voulait détruire et chasser la Fédération Galactique d'Égypte. Cela vient des forces sombres qui veulent dominer la planète en utilisant la matrice lunaire à leur profit. La Fédération a été forcée de battre en retraite et de sceller la base qui était endommagée. C'est pour cela qu'elle est présente de nos jours en force, en haute orbite terrestre, avec une supériorité militaire totale. La Fédération n'a que des petits refuges dans le monde entier qui ressemblent à des maisons normales pour ne pas être repérées. Il existe deux types de technologies des pyramides. D'un côté, il y avait l'Atlantide et de l'autre côté, la Lémurie. Toutes deux disposaient d'une technologie avancée, toutes deux étaient dotées de capacités aériennes et spatiales, elles étaient aussi réparties dans toute la civilisation. Contrairement aux pyramides construites par les races de la Fédération, comme par exemple les pyramides de Gizeh, qui utilisent l'eau comme conducteur de polarité interne, les pyramides mésoaméricaines et d'autres pyramides de l'Atlantide utilisaient le mercure comme potentialisateur différentiel de charge en raison de sa grande plasticité de transmission électrique. Le mercure était apporté sur Terre à partir de raffineries extraplanétaires de la constellation d'Orion et de la constellation Draco, d'où venaient les reptiliens. Mais ça ne venait pas que d'une seule planète, mais d'une infinité de planètes, car toute la région était et est toujours de nos jours remplie de races reptiliennes. Les pyramides de l'Atlantide étaient équipés de structures avec des canaux où circulaient de grandes quantités de mercure liquide en utilisant une partie du principe de polarité électrique entre le ciel et la Terre. Comme vous le savez, les nuages et l'atmosphère ont une charge électrique et le sol, la Terre, en a une autre. Lorsqu'une polarité est surchargée, une étincelle est créée par l'électricité qui cherche la Terre, créant ainsi un éclair. Une pyramide n'est rien d'autre qu'un système permettant de canaliser
le différentiel de charge entre l'atmosphère et le sol de manière continue et contrôlée afin de fournir un courant utilisable pour les appareils électriques et la lumière en général. La pyramide de Chichen Itza, dans le Yucatan, faisait partie de l'Atlantide. J'ai été envoyée pour la visiter et j'ai été témoin d'événements plutôt extraordinaires. Je vous la présenterai en détail dans la visioconférence numéro 12 qui aura lieu le dimanche 24 mars 2024 avec des portails et des connexions, en particulier avec le soleil. Voilà, j'ai terminé ma présentation. On va attendre quelques secondes et puis je vais répondre à vos questions en vous donnant la parole. Et